Salut à tous, on se retrouve pour la suite du let's play. Là je suis un peu comme ça parce que quand on avait relancé, enfin là, j'ai relancé et puis je sais pas, j'étais ici. Donc on va essayer de retrouver notre chemin du coup. En espérant que cette fois il nous a juste mis en arrière, mais je crois pas. Je crois que là le truc nous a fait avancer tout seul. Voilà, je crois que j'en étais là. Non. Il me semble. Non, on n'était pas là. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais refaire une nouvelle partie. Et je vous retrouve dès que je serai là où est-ce qu'on est, ok? Voilà, c'est bon. En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas à refaire tout ça parce qu'en fait, c'est juste qu'il m'avait re-téléporté au début de la map. Donc j'ai refait tout le début pour rien, mais c'est pas grave. Les vaisseaux ne sont plus très loin. C'est pour vous. Alors regardez, rejoindre les vaisseaux de secours, suivre Jack. En fait, ouais, j'avais bien mieux au début, c'est tout. Et par contre, j'étais meilleur dans la première partie. Hein. Oh, c'est pas possible. Ça t'amuse de détruire nos vaisseaux? Hé hey, c'est la tonnelle! Lance le possible. Plan, il ne passe pas l'entrée. Bonjour, Jack. Ah, ça, je crois que c'est celle qu'on a vue là. Quel léger malaise! Cours! Ah, super, elle a détruit les vaisseaux. Il faut qu'on trouve un autre moyen de quitter la station. J'ai jamais vu une créature pareille. C'était quoi? Aucune idée, mais quelque chose me dit qu'il pourrait nous tuer par la pensée, alors tu sais. Cours! Jack, qu'est-ce que c'est que ce bordel? On me signale des alarmes partout sur Helios. Rien, chef. Ah non, rien du tout. Non, tout va bien. Juste une des unités Claptrap qui vient d'essayer de s'accoupler avec une multiprise. Quel mec, les gens, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que je dois te rappeler que t'es là pour observer Pandore et rien de plus? Si Helios se retrouve endommagé à cause de toi, je m'occuperai personnellement. Ah, désolé, chef. Je passe dans un tunnel. Je vous ai traité de connard et j'avais pas raccroché. Désolé. On discutera de tout ça bientôt, John. Oh, mais je croyais que c'était Jack. Bon, tu peux ouvrir la porte s'il te plaît? Il n'y a pas que ça. Voilà, merci. Voilà, Elvis. Cette saleté de brouilleur est quelque part sur ce caillou fissuré. Et il fiche la pagaille dans tous les super systèmes de sécurité de la station. Nom d'un prépuce. Et pourquoi vous nous attaquez, bande de crétins? Je veux cette station, et je veux sauver l'univers. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Vous avez vu ça? Je crois que c'est là-bas, il... Ah, il faut que je tue le dernier ennemi, ok. Ah. Si, je crois qu'on avait
dit que le missile là est beaucoup plus puissant que le... Mais non! Non! Le connard, il s'est planté! C'est dégueulasse! Non mais attendez... C'est dégueulasse! Le truc, il s'est planqué, tu veux que je fasse quoi, moi? Mais qu'est-ce qu'ils font, ces débiles? On n'a même pas de soldats ici, c'est des ouvriers qui tuent là. Et nous, si on s'affole pas un peu? Oh putain, je comprends bien. Ok, bon, j'ai une idée stupide. On va utiliser ce canon de tir lunaire. Suis-moi. C'est quoi ce canon de tir lunaire qu'on cherche? Imagine un gros canon qui bombarde des ravitaillements sur la surface de la Lune à environ 1000 km/h. Okay. On se faufile dans un conteneur et on s'enfuit par là. On n'en mourra pas? J'en sais rien, mais ça ferait quand même une belle mort, pas vrai? Ah, ça c'est large. Bon allez, les putes. Je sais pas ce qu'ils veulent. Ils sont atteints le canon de tir lunaire. Vite. Ah merde, c'est un ami. Vous avez vu ça? Ces hommes de Dal voulaient tuer Jack. J'avais bien une petite idée. L'argent, la vengeance. Enfin, qui a vraiment besoin d'une raison? Voilà, ça c'était beau. Du coup, le mec il s'enfuit sans nous. C'est là où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller où? Ah ok, c'est la suite. Désolé Jack, hein, moi j'ai pas trop envie de m'enfuir. Apparemment. Enfin si, je veux m'enfuir mais... Voilà, je me perds. Allez, DSL Jack. Ok, c'est bon. Soyez purifiés par les flammes. Tu se dis, j'imagine. Okay, that's...
calme. Je fasse quoi? Regarde mes PV quand ils partent. Regarde mes PV comment ils baissent, tu veux que je fasse quoi? Vie, c'est une blague. Et tout. Arrêtez de flatter la prisonnière.
attends. Oui, parce qu'il faut que tu récoltes de l'argent. Parce qu'en fait, pourquoi t'as de l'argent? Juste parce qu'il stage, tu fais que mourir. Ça. Bon sang, y a un truc qui bloque l'ascenseur là-haut. Faut qu'on trouve une solution. Ok. Très bien, j'ai une idée. Je vais trafiquer le terminal de chargement. Vas-y, je te laisse. C'est pour l'instant, moi j'ai regardé les commandes. Parce que je crois que j'ai... j'ai une... clavier souris. C'est un enjeu, je crois, putain. Bon, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je sais, il faudrait que je lance le mieux pour changer. Parce que j'ai juste une grenade, je crois. Voilà, mais je sais pas comment l'utiliser. C'est bête. Ok, tu vas entrer dans le cylindre de tir lunaire et monter avec. Regarde où tu mets les pieds, la chute est longue. Compris. J'y suis, Jack. Attends, voilà. Je vais faire tourner le cylindre. C'est bon, t'es en haut? Libère l'ascenseur que je puisse te rejoindre. Et ça va, tout se passe bien là-haut? Tu sens les ennemis là, tu sens les ennemis arriver. Ah, il s'est bien fait coincer. En même temps, c'est pas grave, ils ressentent pas la douleur. Dégage-le de là. Je m'emmerde, ces porteurs. Pas étonnant que Dal nous ait ratatinés. J'ai besoin de plus de soldats. Des brutasses, dans ton genre. Je fais une brutasse, je suis mort beaucoup de fois. Et là, il va y avoir des robots. Non ? Ouh ! On a réussi, très bien. Suffit juste qu'on entre dans un compte. La plaie d'Hyperion ne doit pas ! Peut-être on aura tué ce débile. Ça fait deux fois que tu me sauves. Maintenant, faut qu'on... Ah, mais qu'est-ce que... Mais les commandes sont endommagées. Faut que quelqu'un reste là pour lancer les vaisseaux. Je dirais bien Athéna, mais j'ai besoin de toi sur Elpis. Tu es la seule sur qui je peux compter pour sauver cette station spatiale. Ouais. Compris. Je trouverai un moyen de sauver Helios. Ton sacrifice ne sera pas vain. Si jamais tu devais mourir. Très bien, nouveau plan. Je reste là. J'ai besoin que tu ailles sur la lune. Tu dois trouver ce brouilleur et le neutraliser. Ou on reprendra jamais le contrôle de la base. Et on peut dire adieu à cette arche. Tu veux vraiment rester? Tu vas sûrement mourir. Bon, tu m'as bien sauvé deux fois la vie. C'est mon tour maintenant. Et puis je suis un héros, moi. Et un héros, ça passe son temps à se sacrifier. Ah, super, un distributeur de santé. J'en ai fait installer un suite à un accident. Un ouvrier avait perdu son... De toute façon, entre nous, il n'a pas trop d'intérêt. Hein. Tu peux aussi récupérer des munitions. Tu en trouveras à tout. J'ai envie de jouer. Faut qu'on fasse monter un conteneur de tir lunaire. D'habitude, on y charge du matériel, mais cette fois, oui. Ce sera toi. Non, mais s'il te plaît, je... En fait, je vais parler. Il ne sert à rien. Et aussi, j'ai activé... J'avais mis mon... J'ai pensé à mettre encore mon chrono, mais... Vu que j'ai cru qu'il y avait un problème... Et ben... Du coup, j'ai plus le chrono. Si dans plus longtemps... Voilà, c'est ma faute. Putain, mais faut savoir. Super, je vais fermer le conteneur. Range tes bras. Je te charge dans la chambre de livraison. Ça va être bruyant et aussi un peu génial. Ok. Tu attention. Veux dire que Jack, le beau Jack, le même type qui a tué mon copain, est resté en arrière pendant que tu fuyais? Tu parles. C'est ça. Je ne saurais pas vous dire s'il a fait ça par héroïsme ou par pure stratégie. Mais si Jack n'était pas resté en arrière pour éjecter le vaisseau, je serais morte sur Helios. Ton histoire me rendrait presque le beau Jack sympathique. Je
Très bien, on est prêt à tirer. Dès que tu le sens, je t'envoie à Concordia. C'est la plus grande ville d'Elpis. Je connais quelqu'un là-bas qui pourra t'aider à trouver ce brouilleur. Ok. Donc là, les trois qu'on voit qui parlent des fois, c'est en fait, c'est, on leur montre un flashback. Hein. Je crois, dans une calamade à la sacrée. Le voilà! Ouvre le feu! Bon, merde! C'est moi. Ah oui, c'est moi. Je crois. Ouais, c'est moi.